Après avoir fait un spectacle sur les que sais-je, un spectacle sur les stylos fantasy et un autre sur le personnage de Guignol, eh bien, on s'est dit qu'il était peut-être temps de trouver un sujet qui pouvait intéresser un peu plus de monde, sans qu'on ait besoin d'expliquer en quoi c'est super intéressant. Et du coup, on a choisi les questions. C'est un peu le spectacle de la maturité, si vous voulez. Il y avait les questions fréquemment posées qu'il avait croisées dans sa jeunesse. Et celles qui ne lui étaient nullement adressées. Ni en 1987, ni en 2018, ni en 2020, ni en 2021, car cela faisait longtemps que le collectionneur n'était plus désiré ni par sa femme, ni par les autres. Pour la première fois également, on a imaginé un spectacle qui n'hésite pas à aller dans l'émotion. Parce qu'on y raconte le quotidien et la vie intime d'un homme, une sorte de double de nous-mêmes, qui collectionne les questions. Mais alors qu'il collectionne toutes les questions, hein, de manière complètement névrotique et fétichiste, et cette passion, eh bien, elle va progressivement contaminer tous les endroits de sa vie. Dieu soit loué, son rêve n'avait rien d'érotique. Le signe de ponctuation était fait de bois et avançait à travers pré. Ce qui nous intéressait dans le fait de travailler sur les questions, c'est que souvent elles sont beaucoup plus intéressantes que les réponses elles-mêmes. Alors évidemment, ça dépend lesquelles, mais parfois une simple question peut faire dérailler le cours des choses, dans la vie intime, la vie de tout un chacun, mais aussi dans la grande histoire, celle qu'on écrit avec un grand H. Ou pas. Quoique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les questions, c'est infernal. Quand on met le doigt dedans, c'est vraiment un engrenage. Et on se disait que peut-être que la seule chose qui pourrait arrêter la multiplication des questions, c'est la mort. Et encore, en fait, on n'est même pas sûr si ça se trouve, il y a des questions après la mort. Et ça, ce serait quand même génial.